Moi, c'est Hélène. Il y a 3 ans, je suis devenue l'heureuse maman d'Ambre et je ne soupçonnais pas à quel point son arrivée allait alors bousculer ma vie. Passionnée de sciences cognitives et de développement personnel, j'avais à cœur de faire grandir ma fille avec une approche dite d'éducation positive. Mais comment faire pour rester patiente, calme et créative? Ces 3 alliés indispensables quand on s'essaye à l'éducation positive, en sachant que j'allais perdre l'équivalent de 44 jours de sommeil la première année de ma vie de maman. Moi, c'est Jérémy. Il y a 3 ans, je suis devenu l'heureux papa d'Ambre et je ne soupçonnais pas à quel point son arrivée allait bousculer ma vie, remettant en question toutes mes certitudes et me poussant dans une véritable quête de sens. Dans quel monde allait-elle grandir? Comment pouvais-je participer à la construction d'une société plus altruiste et plus humaine? Conscient que sans changement humain, il n'y aura pas de changement de société, nous nous sommes demandé comment, dans un monde qui va de plus en plus vite et où le stress de la course à la perfection est omniprésent, réussir à aider chacun à être en harmonie avec soi-même pour ensuite être en harmonie avec les autres. Car nous sommes convaincus que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et c'est comme ça que l'idée de la création d'un centre de bien-être par la flottaison s'est naturellement révélée à nous. Et c'est scientifiquement prouvé, la flottaison a de nombreux bienfaits. La réduction de l'anxiété et des douleurs chroniques, l'amélioration du sommeil, l'amélioration des performances sportives par une accélération de la régénérescence musculaire, la stimulation de la créativité et le renforcement de vos défenses immunitaires. Cela fait presque 2 ans que nous travaillons sur ce projet et aujourd'hui, nous avons besoin de vous dans cette dernière ligne droite, celle qui va nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors, aidez-nous à faire de Bain d'Epsom votre futur temple du bien-être. Merci pour votre soutien.